Bonjour, Nadine Morano. Bonjour. Soyez la bienvenue dans les 4V sur France 2. Nous sommes à 10 jours maintenant du choix pour les Français dans ces élections européennes et les semaines s'enchaînent de campagne sans que les sondages ne bougent vraiment. On a toujours le RN très très loin devant, euh, la majorité et le PS au coude à coude et votre liste, celle des Républicains qui plafonne autour de 7%. Comment vous expliquez pour l'instant ce score assez maigre, il faut le dire à l'heure actuelle bah, Ce score, voyez-vous, c'est que euh, le président Macron a choisi en 2017 de changer le mode de scrutin. Avant, pour les élections, les élections européennes, c'était un scrutin régionalisé. Moi, j'ai été tête de liste en 2014 sur la, sur la zone Est, où j'avais fait 22% des voix à ce moment-là. Et le président de la République, avec son parti politique En Marche, qui était un parti politique 2.0, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune implantation territoriale, ni maire, ni député, ni con, enfin, député, si, un peu, conseiller régionaux... Vous et les que de locaux. changer le mode de scrutin, ça vous a pénalisé euh, Vous savez, quand vous changez un mode de scrutin euh, qui ne permet plus d'avoir une Accroche et rapprochez les députés européens des territoires et que vous décidez d'en faire un enjeu national, eh bien, il se passe ce qu'il est en train de se passer, c'est-à-dire que M. Macron euh, a décidé de refaire un face-à-face -face avec euh, le parti de Mme Le Pen. Euh, C'est devenu euh, euh, une forme d'élection euh, comme un référendum contre ou pour Emmanuel Macron, donc en l'occurrence. Contre, parce que on voit bien ce mécontentement aujourd'hui quand on voit dans les sondages euh, qu'il y a euh, plus de 32 pour Monsieur Bardella, c'est d'abord euh, un vote de colère essentiellement. Mmh. Alors, on sait très bien que euh, avoir des, des députés euh, Rassemblement National au Parlement européen qui représentent la France, eh bien, ça ne fait pas bouger du tout une ligne pour les intérêts de la France. Et donc les mécontents, ils auraient pu voter pour vous, non Ils votent Rassemblement National. A, Pourquoi les LR sont condamnés a, à la seconde division il y a, Justement, moi, je, je, je crois qu'il est important que de leur expliquer. Qu'un vote sanction envers Emmanuel Macron, puisque tel est euh, euh, l'enjeu qu'on essaye de nous faire croire, un vote sanction mais efficace au sein du Parlement européen, c'est vraiment de voter pour des députés qui vont servir à quelque chose dans cet hémicycle-là. Et euh, avoir euh, euh, des députés euh, français de la délégation avec François-Xavier Bellamy plus important que 7, 8, 10. Moi, à l'époque, j'ai connu où la France était représentée par 20 députés. On pèse beaucoup plus parce que nous appartenons à un groupe qui est un groupe politique qui représente la droite et le centre de l'ensemble des 27 le pays de l'Union, voilà, le Parti populaire européen, dans lequel nous pesons plus. Monsieur Bardella a gagné déjà, déjà les élections en 2019. Dans son groupe Idée, Identité et Démocratie, mmh. ils étaient 58. À quoi servent-ils À rien. Admettons que, que les Français choisissent d'en amener 30. Au Parlement européen. Alors que le, le, le Rassemblement national a annoncé qu'il ne siégerait plus avec euh, les Allemands du groupe AFD, euh, de l'extrême droite AFD, puisque. Une recomposition, effectivement. La, la, à la, tête tête de liste, euh, la tête de liste euh, allemande a expliqué que les SS n'étaient pas tous des criminels. Donc Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne siégerait plus avec ces Allemands-là. Ils vont se retrouver à combien 25 27 Donc, pour défendre les intérêts des Français, je le dis à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, pour défendre efficacement les intérêts des Français et représenter la France dans cet hémicycle, qui est l'hémicycle, une assemblée multinationale unique au monde. Euh, élu au suffrage universel. Donc vous dites qu'il faut voter LR, effectivement. Il faut voter pour la liste de François-Xavier Bellamy, yeah. qui est euh, un, un président de délégation extrêmement sérieux, extrêmement précis sur tous les dossiers, et qui permettront de faire avancer nos intérêts au niveau euh, de la France. Mais regardez Nadine Marano, même votre président de cœur, Nicolas Sarkozy, il refuse de dire publiquement pour qui il va voter. Il parle même de divergence avec François-Xavier Bellamy. Mais vous écoutez, auriez non, préféré non, il vous non, soutienne, non, il n'a ou... pas dit ça. Ah, dans le Figaro, non, hier, euh, il y euh, a bah, hein. ouais, Écoutez, euh, non, je l'ai lu euh, bien avant que vous receviez cette interview, sans doute, et je l'ai vu il y a quelques jours. Non non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il est sorti de la politique partisane. C'est vrai. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'est plus dans la politique partisane, donc il ne se considère plus comme étant adhérent d'un parti. Il a dit qu'il irait voter et c'est très bien. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent, qui sont de la droite, du centre, euh, et qui veulent changer euh, cette Europe et, et euh, apporter euh, vraiment une réponse en, en, en donnant leur mécontentement vis-à-vis -vis de la politique d'Emmanuel Macron, aillent voter et choisissent notre liste qui, je le pense, est beaucoup plus efficace. Ce qu'il dit, euh, c'est qu'en fait. Euh, il a des amis sur cette liste, qu'il a beaucoup de sympathie d'ailleurs pour François-Xavier Bellamy. Il me l'a répété d'ailleurs. Il m'a dit que c'était quelqu'un d'excellent performant performance. De non, c'est pas qu'il refuse de, de choisir. Il ne dit pas quel sera son vote, mais euh, je vois que les journalistes tentent de faire croire qu'il pourrait voter pour quelqu'un d'autre que sa famille ah politique. Non, il ne pour qui il vote. Eh ben, il dit juste, je, mais, je refuse de mais choisir. Mais il ne dit pas non plus dans, dans, dans cette interview qu'il voterait pour quelqu'un d'autre. Oui. Donc on essaye de bah, lui faire croire qu'il ne voterait pas pour famille, sa famille politique. Ouais. Eh ben moi je peux vous dire, je suis persuadé que Nicolas Sarkozy ah. votera pour ses amis et votera pour nous. La Maintenant, David Murano, ça va aussi être Mais qu'il ait des divergences après dans le fonctionnement de sa famille politique, il a le droit de les exprimer. Il y aura effectivement un après 9 juin. Et la question qui se pose de plus en plus maintenant, c'est est-ce qu'il faut élargir la majorité Et surtout, est-ce qu'il faut qu'il y ait un Premier ministre qui soit nommé, issu de votre camp, la droite On parle beaucoup de Gérard Larcher, on parle aussi de François Baroin. Il dément pas vraiment pour l'instant. Qu'est-ce que vous diriez-vous Vous croyez à une coalition LR Renaissance Possible. Non, je, je n'y crois pas tout simplement parce que le président de la République n'a jamais été dans cette perspective. Euh, J'en avais, avais parlé avec lui, avec Emmanuel Macron, en 2017, le 1er juillet 2017. Vous voyez, c'est au, au Parlement européen à l'occasion euh, de... Euh, enfin, à l'issue de la cérémonie des obsèques d'Helmut Kohl. Et, et je lui avais dit que euh, avec le résultat de cette élection en 2017 face à Marine Le Pen, il fallait réparer la France, reconstruire la France euh, qui est extrêmement fracturée après un mandat de François Hollande catastrophique. Et il, il n'a pas choisi, il n'a pas fait ce choix. Là, il, a il a choisi, faire, il a choisi du débauchage individuel, il a aujourd'hui une majorité relative. Le pays est en train de sombrer dans le chaos. Tous nos, nos indicateurs sont au rouge en matière de dette, en matière d'immigration, euh, en matière de résultats scolaires, enfin tout en ce moment en matière d'insécurité. Vous vous rendez compte que lorsque la réforme lorsque de ét... chômage, par exemple, vous auriez pu la voter cette loi, vous mais, en avez même peut-être rêvé. Oui, mais, mais, lorsque nous étions au pouvoir avec Nicolas Sarkozy, d'abord, on avait une politique familiale très puissante et le taux de natalité était de deux enfants par femme. Nous a, nous assurions le renouvellement de, des générations. L'insécurité avait reculé entre 2002 et 2012 de près de 17%. Aujourd'hui, euh, les coups et blessures ont augmenté depuis 2017 de 63%. C'est une catastrophe ce qui se passe dans ce pays euh, en matière d'insécurité, en matière de politique familiale. Et les Français le voient bien parce qu'Emmanuel Macron euh, se réjouissait d'avoir des amateurs. Nous, nous étions au moins des vrais professionnels Justement. engagés au service de la famille. Vous dites toujours, on est un parti de gouvernement. Ça fait 12 ans que vous n'avez pas été au pouvoir. Est-ce oui. qu'il ne faut pas mieux être dans une coalition avec Emmanuel Macron plutôt que dans l'opposition Mais une coalition, ça veut dire un contrat. Vous savez, il faut être deux. Il faut... Parce que moi, je ne je, je, je comprends pas comment on peut rentrer dans un gouvernement. Sans défendre des convictions et des idées et, et changer ce pays. Et, et on en a bien besoin, rappelez-vous, euh, notamment sur la lutte contre l'islamisme, nous, nous avions interdit le port du voile intégral dans ce pays. C'est nous qui avons voté ça. Nous avons mis fin aux prières de rue. C'est nous qui avons mis ça en place. Et Gabriel Attal euh... a fait la baïa à l'école. Non, Donc il n'a pas, pas fait la, la baïa. C'est-à-dire qu'il a appliqué la loi que nous avons fait adopter euh, sur l'interdiction des ports de signes religieux à l'école en 2004 avec Jacques Chirac. Il nous reste deux minutes pour parler de la situation internationale. Le président de la République évoque la reconnaissance d'un État palestinien, mais pas tout de suite en temps utile, pas sous le coup de l'émotion, dit Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez ce point de vue ben, la, la position de la france a toujours été euh, pour euh, la reconnaissance euh, d'un état palestinien donc c'est à dire d'avoir deux états et, et moi je, je, ne, je ne prends pas cette expression sous le coup de l'émotion je dirais plutôt sous le coup du terrorisme parce que là il ne s'agit pas d'émotion on est face à, euh, en palestine à un groupe terroriste qui a attaqué israël et qui détient encore des otages dont des enfants des bébés des femmes dans les tunnels euh, de gaza. Donc, pour que ça s'arrête, il faut que le Hamas rende les armes, libère les otages, libère les enfants, et qu'ensuite, euh, parce que j'entends hein, euh, euh, LFI et la nouvelle liste Free Palestine, qui veulent absolument rayer Israël euh, de la carte, euh, et qui... LFI ne veut pareil, rayer Israël de la carte, même s'ils si... sont très critiques. Mais... Si, 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 ils ne veulent pas reconnaître, ils voudraient tout faire pour que qu'Israël n'existe plus. Regardez à quelle manifestation ils participent. Donc, euh, quand vous avez LFI d'un côté, plus la nouvelle liste Free Palestine, qui euh, veut un embargo sur Israël, sur les produits israéliens, qui ne veut plus qu'on travaille avec Israël, ces deux listes-là ont été déposées pour être candidates aux élections européennes. En fait, tout ça est extrêmement grave. Si ces gens-là voulaient vraiment défendre, comme nous le voulons, les intérêts de la population palestinienne, eh bien d'abord, il faudrait euh, plutôt prévoir des élections. Vous savez qu'il n'y a eu aucune élection euh, depuis 2006 en Palestine que le Parlement palestinien ne s'est pas réuni depuis 2007. Et donc aujourd'hui, euh, ce territoire est gouverné par des terroristes qui assassinent les gens. Je ne vois pas comment on peut arriver à un État palestinien et à la paix entre ces deux États tant qu'il n'y aura pas la reconnaissance de l'existence du territoire d'Israël. Merci Nadine Morano, candidate LR aux Européennes. était l'invitée des quatre v ce matin. Bonne journée.